Bonsoir à tous l'équipe, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade du gold. Donc là j'ai une chute du volume, donc le volume est très faible. Je me présente, je m'appelle Sid pour les nouveaux. Donc chute du volume, ici j'ai un squeeze, squeeze des vendeurs par les acheteurs. Donc la puissance acheteuse est beaucoup plus importante que la puissance des vendeurs. Donc j'ai un squeeze, confirmation de cette hausse et de ma prise de position en buy avec la ici la grosse cassure du VWAP avec une bougie importante, donc cassure du VWAP avec force. Donc là il est 1h15 du matin, donc je décide de rentrer en position. J'ai analysé moi le Nikkei, donc l'indice japonais qui ouvre à 2h. J'ai analysé comme quoi il allait ouvrir avec un gap haussier, donc je suis rentré ici en position sur le gold. Donc j'ai attendu 2h, ouverture du Nikkei avec un gap haussier. Donc grosse bougie haussière ici, augmentation du volume, ce qui m'a donné 110 points avec ces deux bougies là. Et la prise de position à mon trade, j'ai pris deux positions ici. J'ai sorti une position à 110, j'ai pas attendu d'aller chercher le 38.2 pour sécuriser un peu mon capital. La deuxième ici à BE, normalement elle va aller chercher le 38.2 minimum. Voilà, si possible, le retracement ici jusqu'en haut, voire au top, au 900, au 1970, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur mon message d'explication. Voilà l'explication pourquoi j'ai pris ce trade sur le gold en nocturne. Habituellement, en nocturne, je ne prends pas beaucoup de trades, mais celui-là était très alléchant avec des confirmations grâce à l'indice japonais. Là, l'ouverture chinoise est dans 9 minutes. Donc on va voir ce qui se passe avec l'ouverture chinoise sur l'indice China 50. Bonne soirée à tous et bon trade à tous. Voilà une petite vidéo explicative pourquoi j'ai pris le trade du gold. Cela peut-être va vous aider sur vos trades et votre prise de position et vos entrées.